Allez, salut tout le monde, c'est Tazruk Perassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de notre Let's Play 100% sur Super Mario Maker 2. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, j'enregistre la dernière vidéo de ma session de tournage sur ce jeu-là. Aujourd'hui, nous allons, souvenez-vous de l'épisode précédent, nous avons terminé, je crois, la construction du canon de l'aile est. Et on avait... non, c'était la porte. On avait terminé la construction de la porte de l'aile est et on avait commencé la construction du toit pour en finir à 100% avec l'aile est. On avait même débloqué avec une nouvelle mission, c'était le Yamakamura qui était Yamamakamura, je sais plus comment on le dit, mais en tout cas qui était ici. Hein, et il nous a dit qu'il allait nous donner une autre mission. Donc du coup, faut s'attendre à encore du secondaire la prochaine fois. Sachez que du coup, on va quand même aujourd'hui continuer nos missions. Sachez qu'il nous manque 215 pièces pour avoir accès au corps de Logi deuxième étage. Enfin, en tout cas, pour pouvoir lancer la construction du corps de Logi de deuxième étage. Donc aujourd'hui, normalement, on va les avoir parce que regardez bien la prochaine mission. Donc vous avez vu, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc déjà on a 6 listes de missions, ça c'est vraiment abusé. 6 listes de missions, mais la prochaine mission sera dans les ténèbres. Vous avez vu que c'est 200 pièces, donc plus les pièces qu'on aura en notre possession, ça, on aura largement assez. Donc on va faire dans les ténèbres avec du coup 3 étoiles sur 4. J'ai fait un stage où il fait tout noir, faut arriver au bout avec juste des petites lopiotes. Alors bonne chance, 200. Yes, donc écoutez, amuse-toi bien, merci. C'est parti, nous allons faire ça. On va pas perdre de temps aujourd'hui, c'est pas la peine d'en perdre autant. Donc du coup, on est dans la version Mario Bros, tout court, toute première version. Sachez que du coup, maintenant il fait tout noir, vous dirigez dans le noir, donc faudra faire un peu attention. Sachez que du coup, il y a un pauvre, mais je sais pas où il va nous emmener, où ça va aller le pauvre. Ah d'accord, j'ai compris ce qu'il veut. Ah d'accord, putain, c'est bâtard ça. Ah d'accord, c'est pour nous avertir où il y a un creux en fait, c'est malin. Ok. En haut c'est pareil, c'est pour nous éclairer. Je pensais pas qu'il allait tomber ce con. Oh, je pensais pas qu'il allait... Honnêtement, il m'a foutu une petite frayeur, je vous le dis clairement. Un petit screamer, je m'y attendais pas. Putain, fais chier. Ça fait chier. Ok. Alors là, faut faire attention du coup pour les trucs d'en haut, ça tombe, ça peut nous tomber dessus. Oh là là, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah putain, mais comment voulez-vous que je devine? Comment voulez-vous que je devine? Je peux pas deviner moi ça, sachant qu'il y a le décor qui me poursuit derrière. N'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Attendez, là par contre il y a un peu de l'abus là. Il y a un peu de l'impossible dans l'air. Hein. Putain, vraiment, comment voulez-vous que je devine? Comment voulez-vous que je devine? C'est pas possible. Hein. Ok. Comment voulez-vous que je devine? C'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'il faudrait laisser passer le pauvre en premier? Pour voir. Voilà, où ça tombe peut-être. Je vais laisser passer le pauvre en premier. Sachant qu'il y a le truc pourtant qui me poursuit. Hein. Ah, il y en a un autre, mais c'est un dans le noir quoi. Stop quoi. Putain, comme c'est bâtard! Oh ouais, d'accord, en fait, tu peux y accéder en fait. Yes! Alors du coup, ouais, le checkpoint, alors là j'ai bien mérité. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah d'accord. Oula, doucement, doucement. Ouh, j'étais un peu perturbé, donc on va faire attention. Voilà, doucement. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il y a ça? Ok, c'était pour juste pour casser ça, d'accord, c'est un... Pas non plus un très intéressant. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre après? Pas y a ça. Il y a une pièce de 50 en haut. Ah ok, j'ai compris.
Une pièce de 50 en haut, par contre, honnêtement, elle est claque, c'est claqué quoi. Je crois savoir quoi faire, mais ça va être dur. Ah non, parce qu'il faut prendre le. Je pense qu'il faut prendre le pauvre derrière. Celui-là, on peut pas prendre le pauvre. Putain, on peut pas prendre le pauvre. Mais what the fuck? Je vois pas comment y arriver en fait. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu vois rien comme ça, faut pas que je l'enlève le pauvre. Là le pauvre il me sert de ouf en fait. Il me sert de ouf le pauvre. Oh là là, c'est quoi ce niveau de merde? Sérieusement, c'est quoi ce niveau de ouf? Putain, je suis écœuré. C'est quoi ce niveau de merde? Oh là là. Je vous jure. C'est les pires niveaux dans le noir, mais c'est les pires niveaux. Oh, vous voyez rien, on peut rien anticiper. Oh, c'est chiant à mourir, c'est chiant à mourir. Ce genre de niveau, ils sont chiants à mourir, quoi. Sérieusement, mais quel... Je vais pas continuer parce que je vais devenir désolant, mais... Putain, sérieusement, quoi. Pourquoi? C'est con, quoi. Comme c'est pas permis, quoi. C'est quoi que j'ai eu en haut, c'est un pauvre? Non, c'est Hotwaff. Mais pourquoi plus grand, plus gros? Oh, je comprends rien. Ça aussi, je comprends pas pourquoi. Donc oui, c'est plus grand, donc oui, c'est plus... C'est n'importe quoi. Moi, je dis qu'il y a des conneries, hein. Ouais, magnifique. Putain, bah ouais, là, je vais rien avoir. C'est normal, hein. Putain, c'est quoi ce niveau de merde, quoi? Alors là, pire niveau. Hein. Y a pas moyen, c'est pire niveau du monde. Mais vraiment, niveau de merde, quoi. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Bon, on va pouvoir construire du coup le corps de Logi. Étage numéro 2, du coup. Du corps de Logi. S1300. Et du coup, ça avance un petit peu. Ouais. Du coup, 70%. De deux petits pourcentages. Ok. Allez, du coup, on va construire le corps de Logi numéro 2. Tu as vu comment on a bien avancé? Ouais. Alors qu'ils auraient pu être à deux. À lui à gauche, plus celui à droite. Pour construire plus facilement. On pourrait passer de 4 à 2 à la limite. Pour diminuer la moitié, mais bon, allez comprendre. Même le gars au milieu aurait pu s'en occuper, mais bon. Allez comprendre la logique. Corps de Logi, deuxième étage, 1300 pièces. On commence les travaux, oui. Bien, yeah, au boulot tout le monde. Et du coup, alors là, je m'attends à beaucoup de missions, peut-être 5. Au moins. Ouais, 5. 5 missions. Corps de Logi, deuxième étage. Ah! On a commencé le deuxième étage du corps de Logi. Allez, plus de missions réussies, c'est plus de pièces pour continuer les travaux. Oui! Il a 6 nouvelles missions, ça s'est pété. Par contre, honnêtement, il y a vraiment plus rien. Putain, mais les gars, mais oh, mais what the fuck? Il faut. Il y a un moment où il faut du secondaire là, à partir d'en bas. On est à 72%. Putain, mais ça. Mais c'est abusé, mais what the fuck? Là, il y aurait eu Gom-Gom, j'aurais compris, mais Gom-Gom, il dit qu'il n'y a plus de mission. Gom-Gom, il dit qu'il a plus rien, donc. C'est pas Gom-Gom, du coup. Ma foi, allez comprendre. Alors, du coup, il y a deux personnes qui sont en train de travailler, c'est bien. Du coup, il a 6 nouvelles missions. Tu veux voir mes nouvelles missions? Ouais, putain, 6 nouvelles missions. Putain, c'est. On a d'autres. Putain, j'étais même pas au courant. Il y avait des missions qui étaient même pas débloquées au début. D'accord, putain, 7 listes de missions. Oh, mais ils sont malades. Mais ils sont des. Mais c'est des malades. Mais c'est des tarés. Mais c'est des tarés. Mais c'est des malades. Oh, putain, on va pas. Bon, pour vous dire, là, on n'est pas prêt de faire du online. Hein, je vous le dis clairement. Il n'est pas prêt de faire du online. Bref, les poissons dans la forêt, 22e mission. Difficulté, 1 étoile sur 4. 100 pièces. J'ai inondé la forêt des chips. Et les chips s'en donnent à cœur joie. Vous pensez pouvoir arriver au bout des collègues et des creux. Pourquoi j'ai du mal là? Je vais plutôt refaire la boblée. J'ai inondé la forêt et les chips s'en donnent à cœur joie. Vous pensez pouvoir arriver au bout des décrocher la récompense? Ouais, bah, moyen. Bah, accoucher. Putain, vraiment quoi. J'arrive même pas. À lire correctement. Alors, les poissons de la forêt, un mage pas comme les autres. Oui, ça fait rappeler vraiment Bob Lennon, c'est pour ça. Ah, avec Yoshi. Mais bien sûr. J'aime quand c'est comme ça. Putain, sérieusement. Viens ici, toi. Diablerie. Allez, aspire, voilà, donne.
Bon, c'est une étoile normalement, donc ça devrait être un peu plus facile. On peut aller en haut, les amis. Il y a un truc en haut, on peut aller en haut. Il faut y arriver. Ok. Allez. Je pense que je sais ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut, il faut sauter sur un chip-chip. Mais le truc, c'est aller sauter sur un chip-chip. Oui. Oh. On va, pas grave, il y avait un truc en haut, donc on va y aller. Oh ouais, mais il faut vieux chier. Il faut vieux chier ici, les gens. Attendez. Oui, et ben voilà. Quand même. Voilà, nous avons eu la pièce de 30. Ah, par contre, Yoshi, du coup, il est parti dans les profondeurs, du coup, ouais. Ça va être un peu la merde, du coup, à présent. À part si nous en avons un, peut-être. Oui, oh, ça, c'est bien, ça. Je pense, du coup, c'est ce qu'il fallait faire au début. Oui, non. Bah oui, non. Yes. Oulala, 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 oulala. Doucement, doucement. Putain, c'est... Oh, bah oui, putain. Oh, c'est la merde, ici. Oh, par contre, là, c'est vraiment la merde, hein. Il y a tout qui arrive d'un coup, l'eau qui baisse. C'est un truc de malade. Alors, du coup, on va récupérer du coup la pièce qu'on a perdue. Hein. Il faut s'attendre. Voilà. Voilà. C'est bien, je crois qu'on avait perdu 30 pièces. Là, on a retrouvé 30 pièces. C'est génial. Ah, par contre, le chip-chip, moyen, quoi. Sérieusement. Oh, regardez, regardez, mais what the fuck? Là, il va sauter, voilà. Sérieusement, quoi. Stop, quoi. Arrêtez tout. Ok. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ah ouais, du coup, j'ai perdu. Ah, oh, oui, bien sûr, putain. La haine, la haine. Putain, mais vous imaginez la haine là que j'ai en ce moment? Mais stop, mais arrête de poursuivre là. Bon bah écoutez, on a fait le mieux qu'on pouvait. Bon bah écoutez, on va pouvoir continuer la prochaine mission, on a le temps. Bon par contre, hein, putain c'est horrible quoi dans ce niveau. Truc de ouf. Bien, on va pouvoir avancer au niveau du pourcentage cette fois-ci. Alors du coup, ça va même pouvoir du coup terminer l'LS toi aujourd'hui 75%. Bien. Et du coup, on va pouvoir faire une dernière mission aujourd'hui. Voilà les missions que j'ai en ce moment. En haut des lianes, 2 étoiles sur 4. Les lianes poussent merveilleusement bien dans ce stage. Si vous voulez les découvrir, c'est ce qu'elles cachent. C'est incroyable, j'arrive pas à lire. Oh là là. Les lianes poussent merveilleusement bien dans ce stage. Si vous voulez découvrir ce qu'elles cachent, à vous de parvenir à l'arrivée. Arrête de bégayer. Putain, mais oh! Arrête de bégayer. Les lianes poussent merveilleusement bien dans ce stage. Si vous voulez les découvrir, ce qu'elles cachent, à vous de parvenir à l'arrivée. Bon, c'est un peu mieux. Dans 50 pièces, putain, il fallait une baffe quoi pour y arriver quoi. Ah, au bout d'un moment, oh, casse-couille quoi. J'arrive même pas à lire. Abusé, oh. Mieux Super Mario Bros. U Deluxe. Oh, bien. Ah, oui, d'accord. Oh Jesus, ça va être un truc. Ok. Ça va être un truc très chiant. Parce que dites-vous que c'est aléatoire. Hein. Je vous le dis clairement, les lianes, c'est aussi aléatoire. C'est que ça veut pas s'accrocher, moi. Moi, en tout cas, quand j'appuie. Putain, bah oui, tu peux pas deviner ça. Oh. Putain, tu peux pas deviner, quoi. Tu peux juste pas deviner. Hein. C'est clair et net. Eh, un petit champi là. Merci. Allez, voilà. Allez. Ok. Oh bah oui, non mais... What the fuck, mais tu peux pas deviner. Tu peux pas deviner tout ça. Oh, je vous jure. Ah ça, c'est des types de niveaux où quand la caméra avance, tu peux rien deviner, tu peux rien prévoir. C'est un truc de ouf. C'est le type de niveau que je déteste, quoi. Oui, bien sûr.
Mais non. Putain, j'avais oublié. Comment on fait? Ah, comme ça. Oula, doucement toi. Hein. Putain. Oh putain, mais vraiment. Mais c'est quoi ces niveaux de merde? Oh là 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 là. Aujourd'hui, mais c'est quoi ces niveaux de merde? Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé quand ils ont conçu ces... Putain, vas-y, ouais, de mieux en mieux, vas-y, n'importe quoi. Sérieusement, hein. Je vous jure, hein, vraiment, ça commence à me pomper l'air, par contre. Là, je vous le dis, ça commence à m'énerver à un point catastrophique. Mais va-t'en, toi, au lieu de me poursuivre, là, comme un chien, là. Putain, casse-couille. Vas-y, dégage, toi. Putain. Oh, vas-y, mais putain, il va me lâcher quoi encore? Ouais, d'accord, ça, tu peux même pas le prévoir, donc tu peux facilement t'en manger, hein. Con de niveau, quoi. Ça, c'est vraiment de la connerie, je sais pas... Je sais pas vous, mais ça, c'est un truc qui m'agace, quoi. Ouais, tu es couille, un truc à gauche. C'est ça, le délire? Il y a un truc à gauche et on est obligé de prendre le nuage. Ouais, je m'en doute. Ça aussi, on pouvait pas le prévoir, bien sûr, parce que le nuage disparaît. Sinon, j'aurais pris l'autre en bas. J'aurais tenté de prendre l'autre en bas, mais bon. Ah, je vous jure, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ah, d'accord, c'était juste ça. Également, ça, on pouvait pas le prévoir. Heureusement qu'on va pouvoir tricher un petit peu. On va faire ça. Non, j'ai dit... Oh putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je saute, hein, c'est important. Merci. Waouh, putain. Aujourd'hui, les niveaux casse-couilles comme ça... Waouh, plus jamais, hein. Plus jamais. Des niveaux où on peut rien prévoir. C'est comme les niveaux dans le noir, ça. On peut rien prévoir. Ah, bien, bref. C'est pas grave. En tout cas, on a terminé, du coup, l'aile est à 100%. Et du coup, on avance combien de pourcents? Non, ils ne disent pas. Elle est toi prêt? Oui! 78%, yes! Ouais, bon, on a encore rien débloqué, comme par hasard. Hein. Comme par hasard. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Nous avons fini la toiture. Elle est terminée. Nous avons fini la toiture de l'aile est. Est terminée. Le contre-maître a fait de très beaux travaux. Par contre, ça serait bien qu'ils aident leurs collègues. C'est, je trouve ça con, mais tellement con! C'est dommage. Putain, ils auraient bien pu faire un bon jeu. Non, ils ont fait ça, quoi. La toiture de l'aile est terminée. Ici aussi, c'est parfait, mais ce n'est pas une surprise. allez, on se ramollit pas. Oui, bah du coup, on n'a plus trop rien. Hein. Quoi, pour parler aux ouvriers? Qu'est-ce qu'il y a, vas-y? On n'a pas encore prêt à lancer de nouveaux chantiers pour le moment. Profitant pour te détendre un peu, bavarder avec les ouvriers, continue d'avancer sur l'émission. Oui, bah, de toute façon, on a bavardé avec les ouvriers, mais on nous a rien dit, donc, voilà, on va faire la prochaine mission. Voilà l'émission que j'ai en ce moment. On va faire la dernière mission de l'épisode, les amis. Le parc des combats avec 2 étoiles sur 4. Les combats, la mission 24. Les combats sont adorables. On n'a pas la même définition d'adorable. Je les aime tellement que je les ai fait leur propre petite aire de jeu. Regardez-les s'amuser dans les tuyaux transparents. Voulez-vous bien aller jouer un peu avec eux? Oh, allez, je vous payerai 150 pièces. Ça veut dire que c'est Super Mario 3D World. Ça, c'est à coup sûr, c'est Super Mario 3D World. Oui, je m'en doutais, mais c'était logique avec les tuyaux transparents. C'était logique, putain. Really? Y a bien moyen de l'avoir, quand même. On peut pas avoir. Bah si, quand même. J'allais pas me faire baiser comme ça quand même. Oh putain, j'ai eu peur. Je me suis dit putain, mais comment vous... Ah d'accord, on pouvait monter ici. Ah d'accord, alors là, désolé, on découvre le niveau. Hein? Je suis désolé, on découvre le niveau. Je savais pas qu'on pouvait sauter ici. Je pensais que c'était un mur en fait. Oh putain, sérieusement. Ah bien sûr. Merci. Putain, ça c'est le screamer quoi. Bim. T'apparaît dans la gueule, tu comprends rien. Mais laisse-moi le temps de sauter. Mais laisse-moi le temps de sauter. En plus, il y a 5 pièces, quoi. Il y a 5 médailles pièces. Enfin, comment dire. Il y a 5... putain, je sais même pas comment on appelle ça. 5 pièces de merde à récupérer. Non. 5 pièces de merde à récupérer, quoi. Oh, putain. Ouais, mais quand tu connais pas le niveau, c'est bien plus dur, hein. Désolé, par contre, toi tu dégages illico presto, mon gars. Deuxième. Ah, d'accord, c'est par là, peut-être qu'on a attrapé la pièce. Peut-être.
la petite crevasse des familles qu'on connaît tous bien. Sachez que du coup, on peut continuer par là-bas. Il y a un truc ici. Oh putain, le truc de merde. Oh là là, le niveau aléatoire comme ça. Où le combat peut aller n'importe où. En troisième. C'est bien. Ah, mais ça, je pense que c'est pour s'en aller, non? Oui, d'accord. Oui, magnifique. Ça aussi, je pouvais pas le prévoir. Ça aussi, je pouvais pas le prévoir. Merci de m'en faire part. Ça serait sympa de... dans la vie. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire, il faut le suivre. Tac. Ah, en bas, en bas, en bas. Voilà. Mon dieu, ce qu'il faut faire ce niveau, c'est que de la réflexion. Merci. Ah, d'accord. Bien. Boum. 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 Et boum, let's go pour finir le niveau. Je pense que là c'est la fin du coup. Je présume que c'est la fin. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la merde ce que je voulais faire. On peut rien faire avec cette technique, hein. On peut vraiment rien faire. Parfait, nous l'avons eu. Enfin si, on peut se ralentir un peu dans la chute et un petit peu planer, mais c'est tout. Bien, bah écoutez, on a fini ce niveau. Donc oui, ça nous fait peut-être 80% avec le corps de Loki. Si je compte bien. Enfin, si je compte bien. Combien? Troisième, ok. Et 80%, bien. Il nous manque 20 petits pourcents. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 16 de notre Let's Play 100% sur Super Mario Maker 2. La prochaine fois, nous continuerons l'émission tout simplement dans lequel nous, je pense qu'on pourra même terminer la construction du corps de Loki de l'étage numéro 2. Sachant qu'il est fort probable que ça nous enclenche peut-être des quêtes secondaires, surtout pour les tuyaux d'en bas parce que honnêtement j'ai peur. Et pour la manivelle à gauche, je pense que c'est une quête secondaire. Il y a peut-être, je sais pas, il va déterrer un bocal avec peut-être plein de pièces ou un truc avec plein de pièces, une connerie de ce genre, mais honnêtement je pense qu'il y a une récompense avec ça parce que c'est pas là par hasard, hein. Je pense que c'est pas là par hasard, mais en tout cas nous sommes à 80%, on est à 16 épisodes. La prochaine fois on va pouvoir terminer, sachant que je crois qu'il nous manque à présent deux missions, hein. C'est bien ça, deux missions, oui, deux missions à faire. Oui, j'ai dit à parler aux autres ouvriers, ils ont dit que c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Mais du coup, lui, il a que du travail, lui, de ce côté, donc on a démarré son travail. Sachez que du coup, les futures missions, on peut les voir, j'en ai énormément et ça me tue. Du coup, la prochaine fois, ça sera Terreur chez les Boobs, plus Petite Étoile Appel à l'aide. C'est vraiment un truc de fou, c'est qu'on a énormément de missions et ça s'arrête pas. Regardez, non, on a 6 fiches de missions. 6 fiches de missions. What? Regardez. 6 fiches remplies de missions en plus, c'est pas 6 fiches et 1, non, c'est 6 fiches entières. C'est 25, 26, 27, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82. 80, 82. Bref, vous avez vu le nombre de trucs à faire, c'est un truc de malade mental. Mais c'est un truc de malade mental. C'est un truc de ouf. Sachez que du coup, en plus, c'est des missions qui a l'air facile avec une étoile en plus. Donc ça sera fait rapidement. Je sais pas honnêtement qu'est-ce qu'on va devoir construire après avoir construit le corps de Loki. J'estime que si c'est 2% à chaque fois, ça peut être 84%. La dernière, enfin, à partir du coup, ça sera 84% une fois qu'on aura construit. Ou 83, peut-être 2 et 1 ou 1 et 2. Et du coup, je pense qu'il y aura peut-être des trucs annexes, comme peut-être un dernier canon pour débloquer le Hayamamura, peut-être. Plus peut-être des trucs comme la porte, par exemple, qui mène de l'aile du premier étage au deuxième étage. Sûrement, ça sera probable. Donc, je pense le canon plus la porte. Le canon, on va dire, c'est 4. Pareil que la porte, c'était 4, je crois. Ça fait peut-être que ça fait 8. 8 fois 2, 16, ça fait 16%. Si on compte par 2. Donc honnêtement, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir plus le toit, peut-être derrière. Je pense qu'honnêtement, il y aura le canon, la porte, sûrement le toit. Et je pense que ce sera les 3 dernières constructions à faire des prochaines fois. Donc
Par contre, honnêtement, c'est que j'attends vraiment les quêtes secondaires, sachant que par contre pour le toit, bon, j'estime que ce sera des trucs un peu pétés. Peut-être le canon sera peut-être à 1000 et quelques, 1000 et quelques peut-être pour une la porte, et peut-être 3000 ou 2500 pour le truc final qui est tout simplement le, qui est tout simplement le enfin le, comment ça s'appelle, le toit, et pour en terminer avec le, avec la construction du château, sachant que du coup si je compte bien, du coup on fera pas tout. En tout cas, on fera pas toutes les missions pour la construction de ce château. Si je compte bien, après, ça dépend de combien ça me coûte. Mais honnêtement, il est fort probable qu'on fasse jusqu'à la mission numéro 60 à peu près. Le temps de... Honnêtement, il est fort probable qu'on fasse jusqu'à la mission 60 pour réussir à tout faire. Sachez que du coup, si on arrive à la mission 60 et qu'on a tout fait, on continuera, on fera le reste des missions quand même pour le valider pour le 100%. Donc il y aura des épisodes mission. Mais je pense qu'honnêtement... on continuera l'émission. Ça, je sais pas où on en sera dans 4 épisodes, parce que j'aimerais bien savoir à partir de l'épisode 20 si je peux commencer online ou pas. Honnêtement, si on est à 100% et qu'il manque encore quelques missions, si je vois, et alors au cas où il y a des quêtes secondaires, on les fait. Par contre, au cas où, au niveau des futures missions que vous voyez là, on fera par exemple des épisodes online après des épisodes mission. Par exemple, on fera comme dans Smash Bros. Par exemple, on fait 3 épisodes d'un truc, 3 épisodes d'un truc. Ben, là, ça sera pareil, on fera 3 épisodes full mission, plus 3 épisodes full online, par exemple. Je pense que ça pourrait être sympa pour vous, comme ça, moi, ça évite de trop vous saouler pour le fameux... pour le mode histoire, parce que ça fait déjà bien, vraiment, ça fera déjà 20 vidéos, ça, je pense que ça va un petit peu vous gaver au bout d'un moment, je pense que ça vous a déjà gavé même, et que vous voulez vous attaquer à du online, enfin, vous voulez que je m'attaque à du online, chose que je peux vraiment comprendre, il y a pas de souci, on s'attaquera à du online, il y a pas de problème, quand ça sera 100%, sachez qu'on est à 80, il nous manque 20 petits pourcents, honnêtement, c'est fort probable que peut-être dans les 4 vidéos qui suivent, allez, peut-être c'est pas dans les 4, bon, peut-être 5 vraiment plus en max, qu'on peut peut-être potentiellement commencer l'online. Pour le moment, on est à peine à 20%, mais il nous manque 20% de notre objectif principal. Sachez que au cas où ce let's play va être en remplacement un petit peu avec, je pense même vous allez le voir, vous avez eu, normalement vous avez vu que vous avez eu du Twilight Princess en même temps, vous avez eu du Mario Galaxy avant, il va peut-être prendre un petit peu plus, un peu de place le temps que je fasse le mode histoire pour l'avancer un petit peu plus. Je pense au moins arriver peut-être dans les 90% pour un peu, voilà, pour un peu stopper un peu tout ça. Sachez que du coup je dois filmer un nouveau Twilight Princess après-demain pour ma part, parce que du coup demain j'ai beaucoup de vidéos à monter, donc dont les 3, celle-là plus le 3 de Twilight, 2 de Twilight Princess si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait 5 plus Mario Galaxy, ça fait 6. Donc j'ai 6 vidéos à monter, donc oui, peut-être que demain je pourrais filmer, enfin du coup. Donc du coup demain, si j'arrive à tourner des vidéos, je filmerai principalement ce jeu, vu que déjà on va gagner du temps, moi j'ai déjà mon truc connecté. Donc je filmerai principalement ce jeu. Je pense en faire au moins, je vous le dis, au moins peut-être 3 vidéos. En même temps, en alternance avec Yuji's Crafted World. En même temps. Et Twilight Princess, sachant que Twilight Princess, vous allez avoir du coup tout le donjon, tout le prochain donjon. Donc je pense peut-être 5-6 vidéos. Donc j'essaierai de tourner au moins 3 vidéos, d'arriver à l'épisode 19, et de filmer 2 Yoshi's Crafted World entre temps. Comme ça au moins on termine les quêtes secondaires avec Yoshi's Crafted World, que je vous recommande d'aller voir. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous recommande d'aller voir. Mais voilà. En tout cas, au moins on aura fixé nos objectifs pour les futurs. Pour le futur de ce let's play. On aura mis un petit peu au clair quelques petits trucs. Sachez que du coup, honnêtement, au niveau des tuyaux, ça, je sais pas quand ça va arriver. Même à gauche, je sais pas comment on l'active. Il manque 20%, on est à 80%. Je commence à m'inquiéter grave. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Je sais pas. On verra. Sachez que du coup, moi, je suis vraiment content de vous avoir ce mode d'histoire. Il m'aura certes un peu fait rager pour certains moments, mais vraiment, de toute façon, on continuera bien sûr la prochaine fois pas mal de trucs. Sachez que du coup, vous avez vu, les missions sont quand même de plus en plus difficiles. Il y a du 2, il y a du 3, il y a du 4 en plus. Tout en bas, vous avez vu, il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Donc honnêtement, voilà, ça commence un petit peu à se compliquer. Je pense que les dernières missions vont être très dures. Sachez que du coup, il nous manque 3 constructions. On peut dire que si on débloque, on est à 82. Si on débloque 6 missions à peu près
par 5-6 missions par truc, on arrive à 88-94. Il est fort probable que du coup on arrive à 100. Hein, honnêtement, qu'on arrive à 100. Donc, parce que on va dire une mission 88. La prochaine mission, enfin, la prochaine liste de missions 94. Avec la construction du coup d'un autre truc et la construction du toit qui débloquera du coup les missions de 94 à 100 sûrement, les 6 dernières missions pour moins avancer. On aura bien avancé, donc moi je suis très content, on est à 600 pièces, donc on va peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend, parce que pour le moment nous avons des missions qui ne donnent pas énormément de pièces. Heureusement qu'on va pouvoir en posséder un petit peu sur soi, mais il y a des missions qui ne donnent pas énormément de pièces, vous avez vu, 25, mais je préfère les faire dans l'ordre, c'est mieux. Mais 25, 100, vraiment, ça, 50, 100, ça donnerait que dalle. Donc, je sais pas ce qu'on va pouvoir lancer la prochaine construction, sachant que je pense que le canon sera à 1000 ou à 1100 peut-être. Donc, c'est fort probable qu'on puisse au moins commencer le canon. J'aimerais bien commencer le canon, comme ça, moi, je fais la mission secondaire. Mais, par contre, je pense que quand ça a basculé sur du 200, ça va faire du bien. Mais merci en tout cas de m'avoir suivi pour tout ça, et d'ici là, bah, du coup, portez-vous bien, ciao tout le monde, et on se retrouve pour l'épisode numéro 17, qui continuera, on continuera sur le mode aventure, enfin sur le mode histoire, avec du coup la construction et la fin de construction du corps de Logi du deuxième étage. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, et peace!